Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 29 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match en Coupe de France et c'est la finale contre Rennes. Donc, un très gros match pour commencer cette vidéo. Le match qui jouera en terrain neutre. Une coupe à aller gagner. Ensuite, on aura un match de championnat contre Montpellier à domicile, un match contre Evian à l'extérieur et pour finir, un match contre Nice à domicile. Donc, la composition d'équipe pour le match contre Rennes, la voici. En attaque. Fekir sur les côtés Andersen, Klintangi, Renier, Koné, Alain, Ferry au milieu de terrain. En défense, Amavi et Rose sur les côtés, même si Rose ne peut pas normalement jouer sur les côtés. Je l'ai mis quand même, c'est pas grave. Charles Umtiti en charnière centrale et au but, c'est notre gardien Lopez évidemment. Fin du match, on gagne donc la Coupe de France contre Rennes. 6 tirs pour nous, 3 cadrés, 2 tirs pour eux, 0 cadré. Ils ont un petit peu dominé le début de match, mais après on a fini par reprendre le dessus. Grenier est nommé homme du match avec une bonne note de 8. Il a donc fait une passe décisive pour Andersen qui a marqué. Donc 7,4 pour Andersen, notre attaque en gauche. Sinon en attaque, Klintangi a eu 6,5, donc c'est pas terrible. Lopez au but a eu 6,5 aussi. De leur côté, leur gardien a eu une bonne note de 6,8. Il a fait 4 arrêts. Leur meilleur joueur qui est Gelson Fernandez, leur milieu droit, avec une note de 6,9. Victoire 1-0 en finale contre Rennes. On gagne donc la Coupe de France. On voit que pour gagner la Coupe de France, on aura battu Auxerre 2 buts à 1 en 8e de finale. 2-0 contre Guingamp en quart. Une victoire au pénalty contre Paris en demi. Et ensuite, donc, on a battu Rennes 1-0 en finale. Prochain match contre Montpellier, on voit qu'il y a des joueurs fatigués comme Klintangi, Gonalon, Umtiti et Lopez parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de jours pour se reposer entre les deux matchs. Donc ça va être très compliqué, mais bon, va falloir gérer avec ça. Donc j'ai mis Mbolo en attaque, Benja sur le côté gauche, Baloudi, Fofana au milieu de terrain. Donc on voit que j'ai changé pas mal de trucs, Kouitse, Betch en défense. Et donc ça va être une première occasion pour les Montpellierains à la 9e minute. La passe pour Mounier qui vient déjà battre Lopez. Ouverture du score très tôt des Montpellierains, donc à la 10e minute. 9e but toute compétition confondue pour Anthony Mounier. On voit que la frappe est parfaite. Une reprise puissante dans le petit filet. 1-0 pour Montpellier. Lopez ne peut rien faire. Cinquante-huitième minute, Saïd donne la balle à Eder qui entre dans la surface de réparation. La frappe qui arrive juste à côté du poteau. On a beaucoup de chance sur cette action.
va tenter de réagir à un quart d'heure de la fin du match. Fekir dans la surface de réparation, la passe pour Mbolo et la frappe qui frôle le poteau. Bendia qui frappe d'en dehors de la surface, la balle passe pas loin. Il a failli marquer un beau but sur cette action. Il reste 5 minutes de jeu. Bendia passe la balle à Fekir, il rentre dans la surface et la frappe sur le gardien, bien arrêté. Nous sommes en toute fin de match. Baloulier effectue un dribble sur un joueur. La frappe beaucoup trop timide pour inquiéter qui que ce soit. Et c'est la fin du match. Défaite 1-0 contre Montpellier à domicile. Donc une défaite qui fait mal. 5 tirs, 2 cadrés pour nous. 2 tirs encadrés pour eux. Donc notre gardien a été mauvais. 4 de notes. Et le leur a été excellent. 7,4. C'est l'homme du match avec ses 3 arrêts. Donc pourtant il a fait que 3 arrêts. Et l'homme du match. Donc ça prouve que sur le terrain, la qualité de jeu n'était pas très bonne. Sinon, un de nos jeunes joueurs accepte son contrat dans l'équipe. Donc c'est un milieu défensif de 17 ans, 65 de général. Mais bon, il jouera pas de match cette saison parce que ses stats sont pas assez bonnes, on le voit là. Il a vraiment pas de bonnes stats. Sinon, match contre Evian à l'extérieur. Donc j'ai mis la composition classique pour son match de Ligue 1. On arrive à la fin du championnat. Il nous reste que 3 matchs en comptant celui-là. Donc il faut le gagner, c'est parti. Donc le match qui va commencer à la 15e minute avec Andersen qui récupère une balle de la tête et la donne à Fekir. Fekir qui élimine un défenseur avec ce dribble, la frappe à l'entrée de la surface, mais ça n'est pas cadré. Ensuite, c'est Ferry qui va se battre avec un défenseur déviant. Il récupère et frappe, mais bel arrêt du gardien qui repousse en corner. Et sur un autre corner tiré par Char, c'est le capitaine Maxime Gonalon qui place sa tête, un nouvel arrêt du gardien. En seconde période, Clinton J reçoit la balle, élimine un défenseur. Il va partir sur le côté droit, repique dans l'axe et entre dans la surface avec un beau dribble. Mais après, il fait une grosse merde, je sais pas ce qu'il a fait. 52e minute, Clément Grenier qui va réussir à rentrer dans la surface de réparation. La frappe bien arrêtée par le gardien. Et le deuxième tir de Fekir qui n'est pas cadré de la tête. C'est Bentia qui frappe à l'entrée de la surface. Et encore un arrêt du gardien, il est vraiment excellent dans ce match. Et on n'arrive pas à le passer. 5 minutes avant la fin du match, Clinton J frappe. Et c'est encore arrêté par le gardien. Fin du match donc 0-0. Grâce à un match magnifique de leur gardien qui va être nommé homme du match d'ailleurs. Et on est sacré champion de Ligue 1 grâce à ce nul car Marseille a perdu. Donc, on finit premier du championnat grâce à un nul à l'extérieur contre Evian. Et c'est donc le capitaine Maxime Gonalon qui va soulever le titre de champion. On l'avait déjà gagné l'année dernière et on récidive avec cette victoire. Match nul donc 0-0, 11 tirs, 7 cadrés. Un tir seulement pour Evian et il n'est pas cadré. Leur gardien a été excellent. Sans leur gardien, on aurait pu gagner 3 ou 4-0 au moins. Donc, sinon, de notre côté, Lopez 6,5 de notes. C'est pas génial. Notre meilleur joueur qui est Ferry, qui a eu une bonne note de 7,7. Donc, c'est le seul qui a été bon au milieu de terrain. Et on voit là, leur gardien 8,6 de notes. 7 arrêts, homme du match. Juste excellent. Donc, bravo. Félicitations à lui. Il ramène un point pour Evian. Alors qu'on aurait largement mérité la victoire. Prochain match contre Nice à domicile. Donc composition d'équipe classique comme au dernier match. On a la même composition d'équipe. C'est parti pour ce match. Le match contre Nice qui commence dès la 8e minute de jeu avec une tête de Clément Grenier. Et regardez ça, le poteau. La balle roule sur la ligne et elle vient taper le deuxième poteau. Ça revient sur Grenier qui frappe et l'arrêt magnifique du gardien. Donc on met déjà la pression sur Nice avec cette action. Et en fait, ce n'est pas arrêté par le gardien d'ailleurs, je me suis trompé. C'est arrêté par la main du défenseur, mais vu que les mains ne comptent pas dans FIFA, c'est dommage donc. Sinon, on va retrouver Grenier une nouvelle fois avec cette belle frappe qui passe juste au-dessus de la barre transversale. C'est à la 15e minute que Fekir va ouvrir le score grâce à une belle frappe aux abords de la surface de réparation. La frappe du droit qui va parfaitement dans le petit filet avec le terrain glissant. La balle accélère au rebond et vient tromper le gardien niçois. 1-0 pour Lyon dans ce match contre Nice à domicile. Et le 2-0 va être signé par Fekir une nouvelle fois. Regardez le dribble et la frappe sous le gardien. Magnifique but de Nabil Fekir, notre meilleur buteur. Il vient détruire la défense avec son dribble et la frappe juste sous le bras du gardien pour le but du 2-0. À la 62e minute, doublé de Nabil Fekir. Et à la 73e minute, le coup du chapeau pour Fekir avec cette belle finition. La balle qui rentre, le gardien qui veut encore l'arrêter, mais la balle a bien franchi la ligne. Fekir qui signe un triplé en coup du chapeau. 3-0, le match est gagné. Magnifique prestation de Nabil Fekir. On voit bien ici que la balle avait franchi la ligne. Et Fekir qui va encore frapper en fin de match. Mais bel arrêt du gardien. Une frappe du gauche que le gardien repousse.
Victoire donc 3 buts à 0 contre Nice. On a largement dominé ce match. 9 tirs, 6 cadrés, 3 tirs pour Nice, 0 cadré. Et évidemment, ça va être Nabil Fekir, l'homme du match, avec une très bonne note de 9,6. Triplé de Nabil Fekir, avec une passe décisive de Maxime Gonalon, notre capitaine. Sinon, la défense a été très bonne. Char et Umtiti ont 7,8 et 7,5 de notes. Lopez 6,9. 6,9 aussi pour Clinton J. Et du côté niçois, leur gardien a fait 4 arrêts et a une note de 6,1. Victoire donc 3 buts à 0 contre Nice. On a ensuite la liste des joueurs sélectionnés en équipe nationale. Umtiti, Gonalon et Fekir sont sélectionnés en équipe de France. Lopez et Andersen sont sélectionnés quant à eux avec le Portugal et avec le Danemark. Et donc c'est la fin de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on aura le dernier match du championnat. Un derby à l'extérieur. Donc quoi de mieux qu'un derby pour finir une saison. Donc en plus on a été sacré champion. C'est parfait. Sinon on a gagné 3-0 contre Nice, on a fait 0-0 contre Evian et on a perdu 1-0 malheureusement contre Montpellier. On a aussi gagné la Coupe de France en gagnant 1-0 contre Rennes en finale. Donc on a gagné deux coupes dans cette vidéo, le championnat et la Coupe de France. On se prépare donc pour le derby, pour bien finir une saison. Donc sinon, merci d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Salut! With nothing standing in our way.